Salut à tous les gars, c'est Vinsky, c'est Shems et c'est Chris du Vinsky FC. On est aujourd'hui pour une draft qui va se faire affronter ces deux joueurs du club. Ça va être incroyable. Et avant de commencer à tirer, je voulais remercier énormément Adidas parce que je sais pas si vous le savez tous, mais l'équipe existe depuis 2017, le Vinsky FC, et Adidas nous suit depuis cette date. Donc un grand merci à eux parce que voilà, ils nous ont permis de faire des choses incroyables. On met en avant aujourd'hui leur dernière paire, la X Crazy Fast, qui est juste magnifique. En plus, elles sont en couleur un peu du club parce que bah, on est en bleu, en jaune et en blanc. Et je le rappelle, la X, la spécialité les gars, c'est la vitesse. Avec une nouvelle semelle et une nouvelle tige, Adidas nous promet avec la X du coup de pouvoir courir toujours plus vite. Voilà, c'est toujours l'objectif. Entre vous, qui est le plus rapide? C'est Chris, hein, je sais pas. Chris ou Shem? C'est Chris, moi, je crois. Hein. Soit... Chris quand même, ça, ouais, ça quand court. Même, ça court, c'est ma spécialité. Ça court quand même plutôt vite. Il va y avoir une petite particularité dans cette draft, c'est qu'il y a 8 cartes dans le but où la note de vitesse est cachée. Si vous touchez la carte, je vais vous demander par exemple, est-ce que ce joueur court plus vite ou moins vite que 85? Plus vite ou moins vite que 70? Ça dépend du joueur. Si vous trouvez la bonne réponse, vous gardez la carte. Si vous ne la trouvez pas, c'est poubelle. C'est parti pour le gardien. Parfait ciseau, let's go. Pierre, feuille, ciseau. C'est toi qui gagne, tu prends qui? Tu prends Courtois. Pour toi. Et c'est vrai que Chris, il a une petite préférence pour Madrid. Les gars, vous testez du coup les X Crazy Fast pour nous dans la vidéo et à la fin, vous donnez le ressenti un petit peu comment vous sentez la paire. Okay, ça vous va? Yes. Ok, let's go. Premier défi, les reprises de volée. Il attaque le ballon. Oh, l'extérieur du pied, pied gauche. J'avoue que là, il la mettait. Il m'a vendu du rêve. Oh, hey, je te vois même pas. C'est pas mal du tout, le pied gauche. Oh oui, oh, j'ai touché. Oh, je crois que c'est Pop. J'en suis pas sûr du tout. Pour ceux qui avaient suivi la Coupe d'Europe France-Allemagne, on s'était fait éliminer par l'Allemagne du coup. C'est Pop qui avait mis un ou deux buts, je sais plus, à la France. Bref, une très grande attaquante. Elle est très très grande. Il n'y a pas le jeu du scotch? Non, pas pour celle-ci. Oh, ça peut aller au bout. Ah, coupe au montage. Je vais la contrôler. Ah ouais, je la valide. Ah. Oh, au-dessus de la transversale. Non, en vrai, bien joué, la poitrine frappe. Oh, c'était beau. Bien, vous l'avez sûrement remarqué, mais il y a trois cartes icônes dans un FIFA qui sont dans la draft. Donc, ça permet d'aider, surtout d'avoir des bonus, parce que c'est quand même de très, très, très gros joueurs. De Saï, Roberto Carlos, Zanetti. Oh l'enfoiré! Roberto Carlos, attention, est-ce qu'il a un scotch? Il a peut-être pas encore. Ah non! Heureusement! Ok. Chris, content ou pas d'avoir touché Roberto Carlos? Incroyable, quel latéral! Lui mériterait d'avoir les X, du coup, comme il va archi vite, 93. Ouais! Oh, il l'a fait à l'aveugle! Quelle arrogance! Oui! Ouais! Vu que t'as les X, tu peux courir super, il pourrait chercher la balle sur le parking, non? Ouais, oh là là, il n'a pas encore la carte parce qu'il y a une question avec la vitesse. Est-ce qu'il a, parce que Keynes, on sait, c'est pas un joueur non plus très rapide, est-ce qu'il a plus ou moins de 70? C'est dur, hein. On sait qu'il est pas rapide, mais quand même, il a c'est quand même... T'as quoi? Il a moins. Bah bravo, il a 69 de vitesse, ah, bien joué mon gars, franchement bravo. Il mérite. Harry Kane. T'as vu quand il y a eu le combat, ouais. Il avait mis Tyson Fury au sol. Oui. Et il est parti pour le narguer, tu sais, il a dansé devant lui. Les gars, si on marque, on fait ça, mais tu sais, je l'arrive à envoyer. Bah oui, j'avais entendu ça. Et en mode, il pensait, je rigolais, mais ça franchement, je suis fou. Là. Elle passe en vrai. Elle est incroyable. Tu sais, si tout le monde l'a fait, mais oui, hier, en fait, elle est incroyable. Et même si tu sais pas danser, tu peux la faire en vrai. Oh, ça t'es beau. Oh, oh, il a frôlé à l'angle. Oh, oh, il a touché Léao. Oh non, je crois faut qu'il a... découvrir sa vitesse. Je suis pas sûr que je l'ai mis. Si, c'est sûr que tu l'as mis. Non, je suis pas sûr. Non, j'ai pas mis. 93 de vitesse. En plus, pour le coup, lui, c'est vraiment un joueur X Crazy Fast par excellence. Ça va très très vite face au PSG, il a fait beaucoup de mal. Donc bien joué Chris, franchement yes. Très bonne carte. Ça fait plaisir. Je crois que c'était mieux quand tu faisais le défenseur. C'était merci. Ouais, peut-être en condition. Ouais, bon bah on va arrêter alors. On va arrêter. Oh my god. Il a touché Diani, la joueuse du PSG de l'équipe de France.
Ah, t'as 2 BU, 1 AD. Oula, ça a commencé à être très offensif. Ouais. Par contre, du milieu. Oh, alors là. Bah alors là, déjà, il aurait fallu donner le nom, ça aurait été le geste Semedo. Cela est dedans, cela est dedans. Regardez ça. Oh putain, c'est pas possible. Haaland, il était. Oh, je sais même pas si c'était même touché, mais on saura jamais. Oh, enfin, il a touché. Attendez, suspense. Je crois que c'est Valverde, mais j'en suis pas sûr du tout. Et il n'a pas d'interrogatoire sur la vitesse, du coup. C'est validé. Je fais ça tactiquement, je prends des bons joueurs, je pense au collectif. Non, c'est très malin. James, rapidement, est-ce que tu vises une zone en particulier? Ouais, bien sûr, les lucarnes. On a Benzema, Haaland. Même si j'ai beaucoup d'attaquants déjà, je pense que ça peut faire du bien. Oh! Oh! Ah, je crois qu'il y a une question là, il y a une question. Allez, on découvre la note de Zanetti. En vitesse, ok. Légende, icône important, plus ou moins de 80. Je dirais plus. Attention, suspense. 83, mon gars, donc tu l'obtiens. Bien joué. Yes. C'était. Et t'as eu un doute ou pas du tout? Non, pas du tout. Il a pas douté. J'étais sûr de moi. Pour mon équipe, il va falloir que je prenne un défenseur central, je pense. Hein. C'est la meilleure chose à faire. On va aller toucher De Sailly. Hein. De Sailly, ce serait incroyable. Je rappelle que dans cet exo, il y a 3 cartes à toucher. Pour l'instant, une pour Shem, 0 pour Chris. Let's go. C'est bon? Yes. Ouais. Ok. Premier coup. Premier coup. En vrai, les gars, Lilian, au montage, tu coupes pas. Il a dit, il veut toucher De Sailly. Il tire, il touche. Attention, est-ce qu'il y a un deviné après, ou pas? On va dire ouais. Ça, c'est réel. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de trucage. Pas de devinette, 85 de vitesse pour De Sailly. T'inquiète pas, j'ai choisi lui parce que j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de scotch. Hein. Il est actuellement 4h45. J'ai un message subliminal qui passe bien. Oh oui, c'est Kingsley Coman et il n'y a pas de devinette non plus, je le vois. Je sais pas si ça a filmé, mais tout à l'heure j'ai dit qu'il me fallait un. Bon, il a déjà MC, mais il est MG. Dans cette draft, je demande aux gens de prendre en compte qu'il est MC. Parce que c'est. Bah, dans la draft, tu le mets MC. Après dans IFC, t'inquiète, ah on non, peut changer okay. Les postes. Non, mais après les gens. Toi, ouais. Ce qui t'arrange, tu veux dire. Je sais très bien que Kingsley Coman n'est pas MC. Donc... Oh. Oh. Oh, il l'a juste touché tranquillement pour qu'elle tombe tranquillement. Madrid. À la Madrid. Et c'est Luka Modric. Inadama. Les gars, je fais une draft. Même sur la play, t'as pas ça. Il y a Shams qui obtient un Coman MC. On ne sait pas si ça avance en MC, en tout cas, tu réponds avec un vrai MC, Modric. Je sais pas si vous voyez, mais on sent que Vincent est un peu plus avec Chris qu'avec moi. N'importe quoi. Ils disent qu'on n'est pas, je suis pas impartial. Ah non, 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 n'importe non, quoi. Non, non. Allez, Chris, vas-y. Hey, c'est Bruno Fernandez, je crois. Non, Bernardo Silva. Ah, il est tombé. Tellement bien non, tiré qu'il a enlevé le scotch. Il a pas vu, je pense. Bernardo Silva qui a 88 de général. Hein. Pas de vitesse, hein. Pas de vitesse, pas de effectivement. Vitesse. Est-ce qu'il a plus ou moins de 70? C'est pas non plus le plus rapide du monde, mais quand même. Moins. C'est un très bon joueur. Tu penses qu'il a moins de 70? Ouais. On est sur un perfect 69. Ils ont tout le temps eu les bonnes réponses. C'était compliqué. 69 de vitesse, c'était chaud. C'était dur. Qu'est-ce qui te manque donc comme poste, toi? Moi, il me manque un buteur. Ouais. T'as Benzema. Ouais, ou Haaland. Et sinon, Haaland. Il me manque un défenseur central, je pense. Ah, donc si comme tu vises à gauche, t'as soit Van Dijk, soit Benzema. Oh, elle est un peu dégonflée, elle. Oh! Oh, c'est Karim! Mais attention, faut deviner! Putain. Est-ce que tu connais la vitesse de Karim? La question est simple, est-ce qu'il a plus ou moins. Si le vent le laisse. Voilà. Est-ce qu'il a plus ou moins de 80? 80? Oh, c'est facile. Moins. Pourquoi vous êtes genre, vous doutez? 79. Ouais! Ah, c'est dur! Enfin, j'ai 75, genre. T'aurais douté que 75, non, j'aurais dit 75, j'aurais douté de ouf. Ah ouais, t'aurais dit 74, j'aurais douté. Bon, alors on va lancer l'exercice tout de suite maintenant. Apparemment, Shams se prendra un super élan. Un très très gros dans élan. Quel ballon va-t-il tirer? Je lui décale. Il se pose la question. Celui-ci. Il a tué tout le suspense. Il a tout tué. Quand tu veux, Shams. Bon, ça va tirer fort. Oh, grâce au X, il a une puissance de dingue. Waouh, c'était puissant, mais c'était à ras de terre.
Haaland, Haaland. Let's go, Chris. Tu vois, tu viens, c'est le Stein. Let's go. Oh! Je sais pas si vous avez vu, mais Vincent ne réagit pas comme ça. Mais... Ah, je... Oh là 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 là, je sais pas c'est qui. 91 de général, c'est une des meilleures cartes qu'il y avait dans la draft. Hein. Oh, putain, Rodri pas loin. Dommage. Oh, oh là là, il a pété Casemiro. Il a explosé ça. Casemiro, en vrai, on peut rien dire, c'est très fin. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Très très fin, au milieu de terrain. Hein? Faut deviner? Merci mon gars. Non. Casemiro très fort, je sais, bien joué. Ouais, merci Vincent. 63 de vitesse, il est pas très rapide, mais non, je rigole. Non, non, en vrai, Casemiro, un des meilleurs milieux, très très fort, 89 en général. Du coup, bien joué pour ton MDC. Oh, elle était splendide, dommage. Virgil van Dijk. Oh, deux lucarnes, bah, deux barres magnifiques. Il me recopie, il a pas de personnalité. Van Dijk. Il y a une devinette. La caméra va vous montrer les abonnés. Quelle note de vitesse à Van Dijk, si vous avez oublié, au FC 24. Voilà. Tu dirais quoi sur Van Dijk? Non, parce que... J'ai joué contre lui ce week-end. J'ai trouvé une question pertinente. Vas-y. Est-ce que Van Dijk a plus ou moins de 75? Van Dijk, il est cheaté. Il est cheaté. J'ai joué contre lui, c'est une horreur. C'est 75. Ouais, plus ou moins. Van Dijk, il a 79. Il a 78, mais du coup il gagne presque, plus. Presque, presque. Bien joué mon gars. Je touche qui, Chris? T'as besoin d'un défenseur? Ouais, un défenseur. Bah en vrai t'as pas trop le choix. Il y a De Ligt au centre. Ouais, mais moi je partirais plus sur un Marquinhos. Hein. C'est drôle, mais De Ligt c'est bizarrement le moins fort entre lui et Marquinhos. C'est bizarre. Après je dis ça, je dirais non, mais c'est bizarre. Marquinhos avec Marc rentre. Marquinhos. Marc rentre Marquinhos. Tu dis si tu veux pas jouer. Non mais après c'est pas ça parce que si je touche direct les bonnes cartes, comment lui fait pour gagner? Ouais, c'est Devina. Chose de Liverpool, je let's crois. Let's go, let's go. Un peu de meuf dans l'équipe, ça fait pas de mal. Chris a débloqué deux cartes d'un coup, je sais pas comment il a fait, il a pété deux cartes en même temps, Rodri et Devina. Encore une carte chacun les gars. Ça signe pas parce que là s'il tire vers moi, je vais lâcher la carte. Je sais même pas qui c'est. 89, on reste toujours dans le haut niveau. Allez, vas-y, tu vas toucher. Et ce sera De Ligt pour terminer la draft de Shems. On va le laisser récupérer la carte. Je crois qu'il n'y a pas de devinette sur cette carte. Ils vont créer leur équipe et en commentaire, vous devrez voter pour la meilleure équipe entre Chris et Shems. Attention, vraiment, c'est important parce que ils vont après se charrier durant toute la saison, donc vraiment, soyez indulgents, enfin, soyez impartial et voterons pour la meilleure draft. Juste avant d'aller créer les équipes, les gars, petite question, parce qu'on l'avait dit en début de vidéo, qu'est-ce que vous avez pensé de la X Crazy Fast d'Adidas rapidement? Est-ce que vous avez été à l'aise dedans? Ouais, franchement, elle est archi légère. Hein. J'attends qu'une chose, c'est de laisser à l'entraînement. En conditions d'entraînement, etc. Parce que voilà, c'est la vitesse, donc là, c'était des exercices de frappe, il y a des petites devinettes sur la vitesse, mais là, forcément, en entraînement. On va vraiment voir, tu vois, la vitesse de la paire. Chris aussi, il y a eu des beaux buts avec cette paire. N'hésitez pas, elle est super légère, elle est confortable. En plus, il y a des petits coussinets à l'arrière, là. C'est vrai que... On est comme dans un chausson. C'est vrai que le fait de mettre les coussinets au niveau du talon, ça permet de ne pas avoir les petites ampoules et tout, c'est toujours plus agréable. On parle comme d'habitude de la présentation des équipes, et c'est à Chris de commencer. Ça te va, Shems, que Chris puisse commencer? Bah, ça me dérange pas que vous commenciez ensemble. Hein. Alors, en fait, en deçaï, c'est génial en DC. Non, je rigole. C'est parti, Chris, c'est quand tu veux. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un 3-5-2 avec Okage, Thibaut Courtois. Ensuite, on part sur une défense à 3 avec Van Dijk, Marcel Desailly au milieu et Roberto Carlos à gauche. Ça, c'est une défense en béton. Quand tu arrives, tu trembles, tu vois. Deux milieux de terrain fantastiques. Le premier, le magnifique, le magicien, Luka Modric. Incroyable. Ensuite, à ses côtés, Monsieur Rodri. Il est toujours là, il fait un travail dans l'ombre, incroyable. Encore une fois, il a marqué contre Chelsea, buteur en finale de Ligue des Champions. Ensuite, on part sur quelque chose d'assez offensif avec Debinha en 10. Elle va faire du sale, 5 étoiles, geste technique. Vous allez me dire, oui, Valverde, il est MC, mais on a vu qu'il a joué AD avec le Real Madrid. Donc, c'est pour ça que je le mets à droite. Il monte, il redescend, il est infatigable. Donc, quand on va passer en défense, il va redescendre d'un cran. Tout a été pensé, les amis. Je mets des soupapes souris comme les Yao. Et oui, incroyable, il va aller faire du sale à son latéral droit. S'il en a, de toute façon, son latéral droit, il est claqué. Donc, il va se faire plaisir. Regarde comme il sourit. Il sait déjà qu'il va remporter tous ses duels. Ensuite,
Monsieur Karim Benzema, le ballon d'or du peuple. Bon, je ne vous le présente pas, il est super fort. En plus, je passe avec deux buteurs comme ça, il décroche un peu. Et ensuite, la cousine de Brot Erling Haaland. Donc, comme vous pouvez le voir, ça commence aussi par un H. Et elle, c'est Ergerberg. Ok ? On arrive à faire des transitions offensives, défensives. Donc, Chems, il n'a aucune chance, les gars. Juste demander aux abonnés. Vérifiez bien que Debina a 5 étoiles de jeu technique. Ouais, ça je suis pas sûr du tout. Et que Ergerberg, ça soit la cousine d'Haaland. Ça, j'en suis pas sûr non plus, mais elle est norvégienne. Les gars, elle a 5 étoiles, faites-moi confiance, je vous le dis. On va commencer par Alisson. Un goal qui n'est pas blessé pour toute la saison. Oh, ici, on a Zanetti, l'expérience, accompagné de Delirte et Marquinhos. Pourquoi on joue à 3 défenseurs? Parce qu'ici, on a Kingsley Coman. Jude Deschamps l'a des fois mis sur les côtés. Pour faire ses efforts défensifs, côté opposé, Gianni, bon, plus besoin de vous la présenter, hein, 89 de général, 89 de vitesse, 85 de tir. Casemiro non plus, hein, plus besoin de le présenter. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de joueurs qu'on ne peut plus présenter dans cette équipe, étant donné que leur histoire a déjà été faite. Hein. Ici, on a Alexia Putellas, ballon d'or 2022. Chris, t'as un ballon d'or dans ton équipe? Ouais, j'ai Modric, y a qui d'autre comme ballon d'or? Benzema. Il parle pour rien, le poteau. Étant donné que je trouvais que ça allait faire bizarre de mettre deux buteurs comme ça, Monsieur Kane a quand même 84 de passes, ce qui n'est pas à négliger. Donc Angis, je pense qu'il fera de très bonnes passes pour que notre cher Pop termine devant. Et je pense qu'on a une très belle équipe pour battre celle de Chris. C'est la fin de la vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, merci beaucoup à Chems et à Chris d'avoir donné le maximum dans cette vidéo. C'est à vous en commentaire de voter pour le vainqueur. Et comme je l'ai dit, durant toute la saison, ils vont se le rappeler qui a gagné. Donc s'il vous plaît, soyez vraiment objectifs. Voilà. Votez Chems. Votez Chems, votez Chris, c'est comme vous voulez. Peace and game, facilement le foot c'est mieux. Et allez Vinsky FC, let's go.